Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai récupéré la roue, j'ai récupéré le chargeur, enfin tout va bien. On se trouve pour une vidéo qui est assez intéressante, qui a clôturé une dizaine de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, qui est donc mon permis de conduire. Donc qui dit clôturer, oui et non, en fait simplement, ça va simplement clôturer mes heures de permis, tout simplement, mes heures de conduite. Et on va donc se revoir pour une vidéo ou deux pour parler du passage du permis, est-ce que je l'ai eu ou pas, l'attente des résultats. Voilà, toutes ces petites questions assez stressantes et que vous pouvez vous poser. Donc là, on va parler simplement des heures, des dernières heures que j'ai faites juste avant le passage de mon permis. Donc, c'est des heures qui sont pour énormément les deux personnes les plus importantes et auxquelles il faut vraiment être le plus attentif possible parce que c'est des heures qui sont à peu près décisives sur si vous partez confiant ou stressé à votre examen, tout simplement. Donc, c'est des heures qu'il faut pas prendre à la légère où il faut vraiment être au top. Il faut pas se relâcher en disant c'est bon, c'est la fin, je vais l'avoir, machin. Non, il faut rester très concentré, très à l'affût. On va passer par où? On va passer par là. Donc, faut rester très très concentré sur votre objectif et sur vos heures actuelles, tout simplement. Il faut pas s'attarder à. Il faut pas se bloquer en fait sur une réflexion en se disant tout va aller bien, ça se passe bien dans leur conduite. Il faut se rappeler que ça reste un examen, que le stress fait faire pas mal de conneries et qu'il y a énormément de conneries qui sont éliminatoires. Donc, vos dernières heures vont avoir pour but de vous revoir un peu votre manière de rouler un peu, de faire le bilan sur vos points faibles, qu'il faudra donc être super vigilant le jour de l'examen, tout simplement. Donc, vos dernières heures sont vraiment ultra importantes. Elles vont se faire en grande majorité dans le secteur où vous avez passé votre permis. Donc, ça, c'est à vous de voir avec votre moniteur, dire oh là, je veux faire que de la zone de permis, que faire des rangements par là, je veux me garer tout le temps là-bas, etc. Voilà, c'est à vous de demander aussi d'être vraiment en majorité du temps dans cette zone-là. Savoir qu'ils ne connaissent pas le chemin exact, ils savent juste dans les rues que vous allez passer à peu près. Donc, c'est à vous après de ne pas hésiter à demander à emprunter des petits chemins à gauche, à droite. Voilà, faut pas hésiter de communiquer avec votre moniteur ou votre monitrice, bien sûr. Donc, ces heures vont se passer en général, vous allez faire un peu de tout. Et vous allez faire 2 ou 3, 4 examens blancs. Donc, moi qui ai fait que 21 heures de conduite, donc au total, j'ai eu que 2 examens blancs. Mais je sais que un mec qui a eu une trentaine d'heures, un ami à moi, a fait 5 ou 6 examens blancs, ou 7 examens blancs peut-être. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de votre forfait, de la manière de faire de vos moniteurs. Moi, je sais qu'en maîtrise, on a fait juste les 2 dernières heures. Un passage de permis blanc, donc le premier semble le dire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a roulé principalement sur la zone permis, fait une ou deux manœuvres, posé les questions par rapport à votre compteur kilométrique. Donc, vous relevez les derniers chiffres de votre compteur kilométrique, ce qui donne votre question intérieure, votre question extérieure et la question supplémentaire que vous allez avoir le jour du permis. Donc, c'est ce qui se passe à chaque fois. Et donc là, vous avez des questions. Donc, ça, c'est à vous. Logiquement, on vous a donné un dépliant à apprendre par cœur ou à comprendre, etc. Donc, c'est à vous de vous rappeler ce qu'il faut dire. C'est comment faire vérifier un pneu, comment faire vérifier les phares, comment vérifier machin. C'est à vous de le savoir. Ça, on ne peut pas vous aider à part réviser, apprendre, etc. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Faut juste savoir. S'adapter et en fait il y a des moyens très intéressants. C'est par exemple la question qui est sur les phares, les clignotants, les feux de brouillard, etc. C'est tous toujours la même chose à dire. Donc il suffit de faire un gros package, tout ce qui est phare, faut que je dise ça, tout ce qui est machin, il faut l'apprendre par cœur parce que c'est des trucs, il y a 3-4 trucs à dire et c'est très simple à se rappeler en fait, voilà. Vous avez les questions extérieures, pareil, où ça va être surtout apprenez à soulever le capot. Moi j'ai eu les questions extérieures, j'avais jamais soulevé le capot, je me suis sorti du premier coup, hein, mais disons que c'est vrai que quand on m'a dit ouvrir le capot, j'étais. Putain, ouais, on l'a jamais fait, donc j'espère que je vais pas me retrouver bloqué sur cette étape, ce serait con. Donc voilà, donc ça, petit détail de mon expérience à moi, demander au moins ouvrir une ou deux fois le capot, c'est utile. Après, permis blanc, vous faites à peu près 40 minutes de conduite en zone permis, vous allez avoir donc un, deux stationnements, vous allez avoir des zones à 30, une zone forcément d'accélération et de rabattement sur une nationale, donc rentrée-sortie pour faire en fait du hors agglomération.
Vous allez faire ça pendant 2-3 séances, 4 séances, suivant votre moniteur et votre nombre d'heures de conduite. Il va falloir ici déceler tous les petits problèmes. Et en fait, à la fin de chacune de ces séances, la moniteur ou la maîtrise va vous donner le papier, comme si vous aviez passé le vrai permis, c'est-à-dire avec les cases, les mêmes notations, tout ça. Donc vous allez voir à quel endroit vous avez eu 2 points au lieu de 3, à quel endroit vous avez eu un seul point. Voilà. C'est là qu'il va falloir en fait commencer à regarder les uns par rapport aux autres et voir, voilà, là j'ai toujours mes 3 points, ok, le jour du permis, j'ai juste à faire normalement, tout va bien. Par contre, un endroit où vous avez une fois 3 points, une fois 2 points, là faut se dire, merde, sur ce truc-là, je fais souvent une petite bêtise, il faudra un peu me concentrer. Le truc où vous avez qu'un point, là c'est le truc où vous êtes une merde là-dessus, donc il faut essayer d'avoir au moins 2 points, donc de limiter les dégâts, donc vraiment vous concentrer sur ce point. Attention, certains points, si vous avez un point, ça peut être lié à quelque chose d'éliminatoire, c'est-à-dire en conduite normale, ne pas avoir un piéton, ça peut vite être éliminatoire. Donc oui, c'est vous perdez votre point de courtoisie, vous perdez des points comme ça, ne pas avoir prévenu les usagers, ne pas avoir machin, parce que peut-être vous n'avez pas freiné au dernier moment ou machin, ou pas du tout freiné. Donc c'est derrière, ça, on pas vu qu'il y avait un piéton, vous n'avez pas vous-même freiné, etc. Donc faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment important de cette fiche qu'on vous donne. Et si vous voulez pas, s'ils veulent pas vous la laisser, prenez-la en photo ou autre. Parce que c'est vraiment important de voir, du coup, voilà, là j'ai perdu des points. Donc il faut que je travaille là-dessus. Et voilà, ce qu'il faut faire, je pense, hein, c'est moi ce que j'ai fait, c'est beaucoup, c'était le point où j'avais un problème. À la séance d'après, je me suis concentré, mais 80% du temps pour ça. Et c'est pas pour autant que j'ai pu gagner des points et j'ai pas forcément eu une mauvaise note sur les autres points. Hein. Bien sûr, c'est juste que, évidemment. Quand vous avez une difficulté quelque part, pour la compenser, il faut la travailler. Et évidemment, c'est pas très intelligent de travailler tout en même temps. Vous pouvez pas tout travailler en même temps. Donc essayez de, si il reste 3-4 séances, bah, si vous avez un problème principal, de régler le problème principal. Et la séance après, vous verrez les petits problèmes, machin. Mais voilà, n'hésitez à poser plein de questions au moniteur. Rappelez-vous qu'une fois que vous avez fini votre dernière séance, bah, c'est fini. Vous aurez plus de conseils, plus d'aide. Bien sûr, vous pouvez toujours aller poser une question au moniteur. À l'auto-école, mais voilà, à partir du moment où genre, votre dernière séance c'est la veille ou l'avant-veille. Donc moi par exemple ma dernière séance c'était le mardi soir et je passais le lundi soir et je passais le mercredi à 8h. Donc j'avais que une soirée pour aller le voir si j'avais un souci. Donc faut vraiment bien penser à poser toutes les questions. Moi j'avais fait des notes sur les questions à poser, sur les demandes que j'avais, les petits rappels que je voulais qu'on me fasse. Après c'est à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce sera utile à ceux qui passent le permis. Allez, ciao, bye bye tout le monde.